à tout le monde, c'est Tazorik Pérassian, se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 26 de notre aventure 100% sur Super Mario RPG HD. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 26 de ce Let's Play. Souvenez-vous du coup, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement récupéré notre, si je dis pas de conneries, 5e, je crois, étoile. Non, donc il nous en manque plus que 2 logiquement. On avait du coup, on avait obtenu l'objectif pour obtenir, pour aller du coup à la prochaine zone, hein, justement, qu'on va aller un petit peu aujourd'hui. On s'est arrêté à la maison de Mario. Ah oui, c'était pour la caisse, donc voilà. Il nous reste plus que 2 étoiles à obtenir, tout simplement. Donc, écoutez, on va y aller, on va continuer à partir d'ici. Donc, voilà, donc écoutez, alors cette semaine, exceptionnellement, il n'y aura que 2 épisodes. Voilà, on en a eu quand même, voilà, on a fait une grosse session la semaine dernière de façon involontaire. Donc voilà, on va repartir sur un petit peu, un petit côté douceur. Et du coup, let's go, on va tout simplement, partir pour la prochaine zone, tout simplement, hein. Alors, on aura certaines, c'est sûr qu'on a oublié des quêtes secondaires et tout, mais on fera tout ça en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. On fera zone par zone, voir un petit peu ce qui nous reste et tout. Donc voilà, donc on avait fait le bateau pirate en bas, je crois qu'il nous manque un truc aussi en bas au bateau pirate. Et du coup, on va s'attaquer au bout du monde, voilà, donc on se rapproche dangereusement de la fin, hein. Concrètement, je pense qu'il y aura une étoile ici et une étoile dans le volcan, certainement. Et du coup, let's go, d'ailleurs, ok, on dirait qu'on pourra peut-être aller dans la forêt à gauche, je sais pas. Et du coup, let's go, bout du monde. Le fameux bout du monde. Ah, trésor est caché à proximité, ok. Wow. Ok. Nouvel élément de gameplay. Ok. Ok. c'est pas ici. Alors, on va quand même voir si il n'y a pas le... Comment ça s'appelle? Le truc. Le bloc caché quand même. Tac. Ouais. Je pense que peut-être il est là-bas. Oh putain, j'ai pas visé. Non mais c'est une blague. Merci. Ok, donc là il y a rien. Trésor détecté à proximité. Il est où ce trésor? Là on sort, donc c'est pas ici. Donc ça veut dire qu'il y a un trésor quelque part par là. Après j'ai l'impression que le mur là, vous voyez, il est bien plus fissuré que les autres. On dirait qu'il est détruit, enfin, on peut le détruire. Tac. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Y'a rien, y'a rien. Oh, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Je sais pas où il est. Tac, tac, tac. Non, il y a... Je le vois pas, ce trésor à la con. Putain, c'est vraiment une horreur, ce trésor. Hein. Y a pas à dire, c'est vraiment une horreur. Hein. Tac. Tac, 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 tac. Il est bien quelque part quand même. Ça fout de ma gueule quand même. Donc là-bas c'est la suite. Tac. Non, y'a rien là. Y'a clairement rien. Je sais pas où il est le trésor. Hop. Le canon il est un petit peu... Je sais pas. Attendez. Ok, en fait ça dépend de la... Ok, là en fait on vise là-bas. Ok, en fait on peut viser assez loin comme ça, donc ça veut dire... Ok. Ok. Non, ça, y a rien.
rien du tout, mais c'est bizarre. Tac. Non. Ouais, je me dis, peut-être il y a un angle précis qu'on peut peut-être avoir le truc. Mais non, là on quitte. Mais il est où ce putain de trésor? Bordel. Non, il n'y a rien. Ok. Non, il n'y a rien. Il y a rien, je sais pas où il est. On va avoir un problème si on sait pas où il est. Putain, mais il est où? C'est pas possible de ne pas le trouver comme ça. Si peut-être faut... Non mais non, il y est pas hein. Il y est pas hein. Attendez, on va essayer un truc. Putain, je me foire. Non, y'a rien. Je sais pas où il est. Clairement, je sais pas où il est. Non. On va essayer de sauter de l'autre côté. Non, y'a pas hein. Il n'y a pas de bloc, de bloc invisible. Hein. Je sais pas où il est. Ben, j'ai un mot spoil sur internet. Hein, concrètement, je sais pas où il est le bloc invisible. Alors, sauf si il y aura peut-être moyen de détruire un truc. On a beau sauter de partout, ça marche pas. Hein. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Non, ça marche pas. Y'a rien, je sais pas où est le trésor. Ça me saoule. Oh putain, ça me gonfle ces trucs à la con. Je suis sûr que ça a rapport avec ça. Non. Je suis sûr qu'il y a un rapport avec ça. Genre, y'a un angle précis à avoir. Bon, vous savez quoi. Attendez, en fait quand on quitte là, ok ça va là. Bon bah tant pis. Oh, on va le faire durer un peu plus longtemps cet épisode, hein, je vous le dis. Mais il est où bordel, mais il est où? Aïe 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 aïe, catastrophe. Des ennemis? C'est des ennemis, d'accord. Oh putain, d'accord, alors ça prend... Alors, on a une nouvelle variante de ces ennemis-là, mais par contre, ces ennemis-là... Attaque, ok. Bon, ça me dit toujours pas où c'est, mais bon. Oh putain, on a des nouveaux ennemis. Défense. Oh, le fils de pute. C'est bon. Oh. Tac. D'accord. One more left. Fuck. Bon, ça me dit toujours pas où il est, mais bon. Parce que là, on quitte la zone. Super. Aïe, aïe, aïe. Comment on peut savoir? Mais on dirait qu'on peut aller là, mais on peut... Pourquoi il y a un truc invisible? Je comprends pas. C'est peut-être pour plus tard. Ah bah super. Ça a réapparu. Ah, fuck. Chiant. Ok. Bon, on va dire que c'est... Que...
ça sera peut-être pour plus tard. Peut-être qu'il y aura un moyen de sauter peut-être un poil plus haut ou une connerie comme ça. Parce que là, je sais pas où il est. Hein. De toute façon, on fera des épisodes dans lesquels on fera du secondaire, donc... Oh, sérieux là? C'est quoi tout ce nombre de points de vie, sérieusement? Ouais, parce qu'il y a rien, y a concrètement rien. Et vous voyez, ça bouge, donc ça veut dire qu'il y a peut-être moyen de revenir sur cette zone, mais un peu plus haut. C'est sûr. Moi, bon, je sais pas. Oh, mais il y a des nouveaux ennemis, en fait. What the fuck? Oh, Jesus Christ! Archisec. A perdu le nord. Mais pourquoi il s'attaque entre eux? Alors lui, à mon avis, il empoisonne. Voilà. Un de moins. Ah, j'aurais voulu encore une fois, mais... Ok. Oh, le bâtard. Fuck! Je vais pas y arriver, en fait. Merci. Oh, Jesus Christ. Super. Tac. Bien joué. C'était bien. Lui qu'il fallait éliminer en premier. Fuck. Oh, je voulais... Attaque plus... Enfin, un truc plus... Encore une fois, parfait, ça m'arrange. Merci. Oh, ok, Geno est passé au niveau supérieur. Geno passe au niveau 17. Alors, plus 8 points de vie, plus 5 d'attaque, plus... 4 de défense, je pensais à autre chose. Plus 5 d'attaque magique et plus 3 de défense magique. Geno a pris Geno Flash, attaque tous les ennemis. Puissamment accumuler de l'énergie et flash. Ben, on va améliorer le. On va améliorer l'attaque. Une attaque et une de défense. Mais. Oh mon dieu. Il y a un milliard d'ennemis encore. Ok. Toi, à mon avis, je suis sûr que t'empoisonnes. Ah, je voulais encore attaque plus. Oh, bah ok, d'accord. Enfin, il a, encore une fois, je veux dire. Chance. Ah, bah parfait. Ça m'arrange. Ah, bah oui. En milieu. Milieu. Yes. 44 XP. Oui. Tac. Fuck. Et j'aurais dû éliminer l'araignée en premier parce qu'elle va vouloir me niquer. C'est bon. Ok. Oh oh. Alors non. Non, 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 non. 53. What? Ça va, oui? Mmh, 28. Tac. Voilà, c'est bon. La pièce grenouille. Ok, en fait, il y a différents trucs. Et si on se met par exemple dans lui là? Ah d'accord, en fait, on peut pas dans lui. Bah écoutez, on va éliminer tout le monde quand même. Pour avoir de l'XP et tout. Fuck. Ah! Super! Oh là là.
Waouh! Ok, il y en a un de moins. Putain, je vais pas y arriver avec Bowser ici. Oh mon dieu. Oh, t'en prends très cher ou c'est moi? On prend très cher ou c'est moi là? What the fuck? Ok. Quelqu'un est passé. Ok, c'est Peach. Peach passe au niveau 16. Alors, plus 10 points de vie, parfait. Plus 7 d'attaque. Plus 3 de défense. Plus 4 d'attaque magique. Et plus 4 de défense magique. On va améliorer l'attaque. Ah, on peut améliorer encore la vie, hein. Ah, la vie, ouais, ça peut être bien avec Peach. Dans 22 à 131. Ok, alors par contre, on va pas se faire baiser. Tac. Putain, je vais pas y arriver. Oh. Oh, what? Il s'est attaqué tout seul. Merci. Hey. Vas-y, descends. Ok. Voilà, parfait, un de moins. Ok, toi. Oh, come on. Putain, le bâtard. C'est bon. Ok. Oh, Mario passe au niveau supérieur, ok. Mario passe au niveau 18. Alors, plus 10 points de vie, plus 6 d'attaque, plus 4 de défense, plus 4 d'attaque magique et plus 3 de défense magique. Mario a pris ultra boule de feu. Tire des boules de feu sur tous les ennemis, appuie sur A en rafale. On va prendre l'attaque. 2 attaques et 1 de défense. Ok, Bowser passe au niveau supérieur. Bowser passe au niveau 17. Plus 8 points de vie, plus 5 d'attaque. Plus 4 de défense, plus 4 d'attaque magique et plus 2 de défense magique. Ok. Mm-hmm. On va améliorer. Ah, la défense magique, ça peut être bien, l'attaque magique. Ouais. Plus 3 d'attaque magique, plus 1 de défense magique, ça peut être bien. Si on en a besoin. Voilà. Bon, on le bloque, je sais pas où il est, hein, concrètement. Oh, what the fuck, merci. Détecteur à proximité. Oh, what the fuck? Ah, il y a des nouvelles variantes d'abeilles. Oh mon dieu, des dardards. Bon, ils sont pas très puissants. Mais à mon avis, ils empoisonnent. Hein. Voilà. Déjà, voilà, je m'en doutais. Fallait pas me prendre pour un con. Merci. Ok. Oh, Malo. Malo passe au niveau 18. Plus 9 points de vie, plus 7 d'attaque, plus 3 de défense, plus 5 d'attaque magique et plus 4 de défense magique. Malo a pris chute étoile. Une étoile tombe, appuie sur A à l'impact pour qu'elle rebondisse. Et on va améliorer la. Et oui, on va améliorer l'attaque. Plus 3 d'attaque et plus 1 de défense. Il y a du monde là. On va le faire durer jusqu'à 25 minutes l'épisode parce qu'on a perdu beaucoup de temps sur le trésor à la con. Et là je sens qu'on va reperdre du temps d'ailleurs, mais bon. Je sais vraiment pas où il est le trésor, on a sauté de partout. Je pense que peut-être on pourra revenir sur la zone. Ah mais on quitte la zone là. What?
Ok, en fait, là-haut, c'est la suite. Ah, il est... Je crois qu'en bas, il y a des plateformes. Oh, d'accord. Huile de fleurs, merci. Il y avait ce... Ah, c'est peut-être cette type de plateforme-là qu'il y avait. D'accord, je sens l'énigme à la con. Lui, il est en face du... Ok, lui, il est en face du... Celui-là, donc ça fait 1, ça fait 3. À partir de la gauche, hein, 3. 5. 9. 3. 5. 9. Ok. Ok, ok, il faudra y réfléchir, hein. Oh, oh non, pas toi. Pas spécial, s'il te plaît. Oh, je... Hop. Voilà, il y en a un de moins. C'est une blague. Oh my god. Ok. Charge du trésor. Je sais toujours pas où il est, mais. Voilà, c'est que là, vous voyez, c'est très grand. Donc en fait, le trésor peut être n'importe où. Tac. Tac, tac, tac. Putain, c'est vraiment chiant ces trésors, hein. C'est vraiment ultra chiant. Ouais, si tu veux sauvegarder, vas-y. Ok. Y'a rien. Y'a rien. Bah écoutez, hop. C'est parti. Ouais, un de moins. Le problème, c'est qu'ils ont trop de points de vie. Oh! Ah, d'accord. Encore une fois, parfait. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Oh, oh! What the fuck? C'était pas volontaire d'avoir visé là. C'est parti. Raté, évidemment. Encore une fois, c'est parfait. Voilà. T'as mis Vitra qui m'empoisonne. Attendez, il n'y a pas le trésor ici. Il n'y a pas de trésor ici. Hein. Non. C'est chiant ce trésor, vraiment. Y'a rien là. Y'a rien là. Après, y'a encore là-haut, mais. Est-ce qu'il sera là-haut? Ok. Ok. Merci. Trésor, je sais pas où il est, hein. Encore, c'est vraiment atroce, hein. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas se jeter dans le vide? Non. Je sais, une connerie où il faut se jeter dans le vide, c'est sûr. C'est sûr. Aïe, 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 aïe.
Et via ce côté-là, non, ça fait rien. Non. Tac. Non. C'est bizarre cette marque là. Pourquoi il y a ça? Ah, ben enfin on l'a trouvé. Ah putain, il fallait juste sauter de l'autre côté quoi. Oh my god. Oh god. Thank you. Bienvenue au Port Céleste, c'est une attraction célèbre par ici, peut-être même la plus célèbre. Tu veux tenter le défi du pont? Oui, je... Comme ça, on va après s'arrêter là. Ok, je te prends 5 pièces alors. Tu veux que je t'explique le principe? Oui. Pour traverser le pont céleste, tu as 3 possibilités, mais dans tous les cas, si tu tombes, c'est perdu. Si le parcours normal, les blocs tombent pas, pour sauter d'un bloc à l'autre, tu inclines L et dans la direction voulue, puis après tu appuies sur B. Si tu arrives à traverser, tu empoches 5 pièces. Sur le parcours spécial, tu te déplaces comme sur le parcours normal, mais quand tu restes trop longtemps sur le bloc, il tombe. Si tu arrives à traverser, tu empoches 8 pièces. Sur le parcours expert, non seulement les blocs tombent, mais les sauts sont aussi plus difficiles. Si tu arrives à traverser, tu empoches une pièce grenouille. Dans tous les cas, tu devras sauter en faisant gaffe au timing pour éviter les bitballs. Bah normal au début, hein. On va voir. Et oh, bonne chance. Oh, I'm legend. I'm fucking legend. Oh, tu veux doubler tes gains? Si t'arrives à traverser à nouveau le premier coup, t'empoches le double pièce. En revanche, ça va être un peu plus dur que la fois précédente. Si tu tombes, tu perds tous tes gains. Tu veux essayer? Allez, vas-y. Vas-y, on va réessayer. Oh, ok. Oh, non. Putain, le bâtard. Tu montes, tu peux... Tu montes, tu peux te déposer si tu veux. Saute sur ma tête. Ok. Oh, fuck. Ah, mais du coup, on a perdu. Oui, on va... Ok. Normal. On avait arrivé du premier coup tout à l'heure. Pourquoi j'arrive pas? Aïe 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 aïe. Ninja la con. Ok, je viens de comprendre le timing. Cher, vas-y. Oui, on va doubler tes gains, on a compris. C'est juste que ça va être un peu plus dur parce qu'ils seront un peu plus rapides. Donc faut faire... Ok. Oula. Ah oula. Non, non. Non, putain. Ouais, en fait, c'est compliqué. Parce que il faut s'entraîner parce que le problème, c'est que... vous allez dire, je peux prendre mon temps et sauter un peu plus tard, mais le problème, c'est que quand on fera le mode expert où les trucs tombent, bah, on va être à la merde. Donc, ok. Bon, après, on n'est pas en mode expert. Bon, on va essayer de la façon normale, comme il faut. Deux. Ok, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Putain, c'est une blague. C'est une blague. Putain, j'étais bon, là. C'est bien, on va mettre 30 minutes là-dessus. Bah oui, on va y réessayer, qu'est-ce que tu veux? Normal. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Putain, 1, 2. Voilà. Ensuite, on va réessayer du coup le truc. Le mode un peu plus compliqué du mode normal. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je pense qu'on peut en enchaîner deux d'un coup là. C'est bon. Tu veux doubler des gains? Si t'arrives à traverser à nouveau du premier coup, t'empêches les billets. Non, c'est bon. On va réussir 10 pièces. Voilà, alors on va tenter le parcours. On va faire ça comme ça. Après, on va s'arrêter là. Hein. On va retenter du coup le mode spécial. Oui. Alors.
spécial. Yo, bonne chance. Donc là, ok. Oula, attention. Ah putain, c'est vrai que si on reste trop longtemps, c'est la finito. Hein. C'est bon. Putain, non, non, non. Mais j'étais presque. J'étais arrivé au bout. Oh non, mais là, je déteste le jeu qui me fasse ça, quoi. Oh là là, j'étais arrivé au bout, quoi. Ah oui, spécial. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, on a réussi. Non. Non, c'est bon. Voilà, et du coup, on va essayer le mode expert, ça sera bon. Alors, le mode expert, je crois que ça tombe beaucoup plus vite et les billboles arrivent beaucoup plus vite. Si je dis pas de conneries, bon, on va essayer. Hein. On va essayer. Et après, on s'arrêtera là. Hein. Expert. Allez, go. Allez, c'est vrai qu'on a. En fait, le jeu. Ah ouais, d'accord. En fait, je viens de comprendre le mode expert. En fait, le jeu te bloque pas dans la direction. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Le jeu te bloque pas dans la direction. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre. Voilà, le jeu te bloque pas dans la direction. C'est bon. Oh, tu veux doubler des gains. Allez, on va le faire le compliqué du mode expert. Et puis après, on s'arrêtera là. Je pense qu'on peut y arriver. Si on gère bien, on peut y arriver. Oui, c'est bon. On a réussi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. De pièces grenouilles normalement. Ouais, c'est bon. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 26. On se retrouvera bah, pour l'épisode 27 dans lequel bah, on continuera évidemment notre aventure. Ok, c'est pas un ennemi. Salut, c'est sympa, hein, tu te mets absenté pendant un moment, ça fait du bien de revenir. Tu vas où? À monstre père, oui. Ok, écoute-moi bien, le truc c'est de viser les tourbillons avec une fourmi. Fonce dans le tourbillon avec une fourmi, tu finiras par rejoindre le sous-sol. Une fois dans le sous-sol, avance un peu, t'arriveras à monstre spare à moins de 2. On se verra là-bas, ok. Donc oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 26. Et on se dit à l'épisode 27. Donc il faudra évidemment trouver les deux blocs secrets. C'est important. Et du coup, bah d'ici là, bah portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Et quoi, il faut trouver un fourmi. What the fuck, une fourmi. What the fuck, je sais pas.